Salut tout le monde! Bah, en cette période du 11 novembre, RIP. Commémoration du 11 novembre. RIP. Respect. Ça serait pas un 15? Un quoi? Un 15. C'est quoi ça? Bah, je crois que c'est ça. Ah, bah ouais, c'en est un. Bon, respect quand même pour les anciens, ouais. Pour cette période du 11 novembre. Voilà. Mais bon, ça, c'était un Cairns. Allez, on vous dit à tout à l'heure. C'est de l'humour, hein. Alors, qu'on précise, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui... À part les cons, dis-moi tout. Alors, on va faire le coup de l'humour, on va faire la descente dans le camp des travailleurs... Voilà, là, voilà, j'explique. Puis remonter à la Sunshine pour repartir vers le tour des marmites. Et revenir... Voilà, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'on a trouvé le chemin qui part de la mine Soleil au camp Bloc. Donc on va essayer de se faire la boucle. On vous cache pas qu'il est bientôt long. 7h du matin. Ouais. La chaleur, ça va encore à peu près. Ça fait une heure et demie qu'on est parti. On est parti bonheur. Et puis bah, on arrive au podium, mais évidemment ça monte. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, nous là en haut du Poudéum. Donc nous, pour vous dire, on va en face, mine Soleil. Toc toc toc, on va descendre la ligne de crête, je viens d'entendre un surf. On va descendre la ligne de crête là, jusqu'en bas là-bas, où il y a le camp Bloc. Et ça c'est la piste Bloc. Donc quand vous êtes au Poudéum, si vous voulez continuer, bah, soit vous prenez par là, vous allez au camp Bloc par la piste Bloc, soit vous prenez la piste du haut là, pour aller à la mine Soleil. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Montée de la mine Soleil. On en chie, hein. Ça monte bien. Et en plus, il n'y a plus d'ombre. On arrive dans la partie où on est en plein soleil. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, là, mine Soleil. Donc, quand vous êtes arrivé ici, en fait, vous partez par là. Pour aller au campement Camp Bloc. Par là, il y a le refuge. Et puis, bah, nous, on va faire la boucle, on va aller au campement Bloc, et puis repartir sur les... C'est les marmites. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Bon, normalement, ici, là, il y a une source d'eau temporaire qui arrive, mais bon, là, c'est sec. Comme on est en été, c'est sec. L'hiver, il doit y avoir, ouais, l'hiver. Avec une petite cabane. Ok, on vous dit à tout à l'heure. Bon, nous voilà sur le chemin. Petit chemin qui est pas bien large. Ça descend bien. Oups. Hop. Ok. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Wow. J'essaye de vous filmer tout en marchant sur cette partie où il n'y a pas beaucoup de place et on a déjà... On a une belle vue là sur la piste du camp Bloc qui remonte jusqu'au Poudéum là-bas. Et puis on a toute la vallée de la Dame Béanoire qui est ici là. On voit ici en bas. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Waouh! Voilà un gorille dans la brume. Mais il le fait bien en plus. On est dans les hautes herbes là. Ça descend bien. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Il sort toujours. Hop! Il sort
sorte de petite marche. Là, on voit le camp bloc en bas là déjà. Hop, les Mikados. Je me dis à tout à l'heure. Voilà, en fait, on vient de tout là-haut. Il est con. J'avais même pas vu ton trou. Il peut pas être sérieux, c'est incroyable. On descend de tout là-haut. Toc, 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 toc. On a redescendu là dans la creux. On est monté à la mine soleil qui est là-bas. Et on est redescendu tout ça. On arrive par là en fait. Et on va aller tout en bas. Voilà, ça va, ça y est, t'as sauté sur la grenade là. Ouais. Allez, attends. Là, il y a un grand câble. Donc à mon avis, il devait y avoir une tyrolienne là. Il y a une grande poulie. Là, il y a les panneaux d'Imbanor, donc on sait qu'il faut qu'on aille par là. Ah, c'est la station intermédiaire, d'accord. Station intermédiaire. 550 mètres. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que ça devait... Ça devait être la poulie intermédiaire du téléphérique. Ouais, je pense. Ouais. Parce que regarde comment... Parce qu'en fait, ils s'en servaient pour emmener les déchets, tu vois. Tous les déchets des mines, et puis pour descendre les mecs... L'approvisionnement, à mon avis, en bouffe. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, tu vois, c'est pas encore droit. L'autre qui est planté aussi debout, là-bas, hein, ça a été termité. Donc là, devait y avoir la grande poulie avec le câble qui devait descendre. Bah, tu te rends compte, ça a combien d'années? Regarde, le bois, il est encore... Ah, ok, allez. Bon. On vous dit à tout à l'heure. On est en sous-bois, là. Toujours en descente. Et comme dit Fabrice, c'est vrai que ça fait un peu les monts Kogi, en fait. Les oiseaux qui chantent et tout. On entend la rivière en bas, là. Ça fait un peu les monts Kogi. Ok. Toujours dans la descente. Je vous dis à tout à l'heure. On fait attention parce qu'en fait le chemin n'est pas large. Hein, et nous là au camp bloc. Et ben on va faire une belle petite baignade. Allez. Hein? Ah ouais, ouais. On en a chié pour arriver là, mais. On est arrivé. Et alors? Ça fait un bien fou là. Nous, camion chaud. Ça caille. Nous avons les moyens de vous refroidir. Ok, allez. A plus. On va faire le plein des camelbacks. Et puis on va repartir. Direction les marmites maintenant. Et puis on aura bouclé la boucle. Marmite, point de départ. Ok, allez. Tata tout le monde. Tata. Tata, bisous.